ministère d'évangélisation. Bonjour, bonjour fidèles téléspectateurs de notre émission Service Africaine. Service Africaine, votre émission que vous suivez tous les samedis de 12h à 13h sur Olive TV, votre chaîne d'excellence. Merci de votre fidélité car vous êtes toujours là, branchés à nous suivre sur Olive TV. Comme je l'ai dit, une chaîne de référence. Comme vous l'avez remarqué, nous commençons notre émission avec un grand retard dû à des problèmes techniques au niveau de notre studio. Donc, heureusement que Dieu est avec nous. Nous sommes là, nous commençons notre émission. Soyez bénis là où vous êtes. Je ne serai pas seul à la présentation, comme il est d'accoutumé. Je suis toujours accompagné par la sœur Grace Kadima qui est là à mes côtés. Et nous aurons d'emblée, comme les temps filent déjà, d'emblée, je dois présenter notre invité. Notre invité de cet après-midi qui est votre humble serviteur, le prophète Aaron Kimati, qui a écrit un livre. Nous l'aurons tout de suite là, après nos communiqués qui sont sur nos tables, sur notre table. Donc, nous avons quelques communiqués à vous donner très rapidement et après nous allons passer directement à notre invité. Bonjour Maman Grace, bonjour. Comment tu te portes? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Comme vous l'avez dit, nous présentons nos sincères excuses à nos téléspectateurs. Cela n'était pas dû à notre volonté, vraiment c'était indépendamment de notre volonté que nous puissions commencer en retard. En tout cas, veuillez accepter nos excuses. Nos excuses, je crois que nos excuses sont acceptées. Les amis qui sont de partout, qui nous suivent depuis Mandaka, là où il y a l'ambiance Mandaka Barbecue. L'ambiance Mandaka Barbecue, c'est le 6 juillet, c'est aujourd'hui. Non, c'est demain. Demain dimanche, chaque dimanche, de 10h à 23h, au niveau des Calebec Banqueting Suite, numéro 4 à 6, Derby Road, Pont des Indes, ensuite, il y a ambiance Mbandaka, Mbandaka Kuna Donado, Balobiba na Mbandaka Nesokuna Kote ensuite, vous se retrouvez Kuna na ambiance Oyo, na Mbandaka, donc le numéro 4 à 6, hein, 4 à 6, Derby Road, Pont des Indes, un feed et N3. Kuna, Balabi Sama Oyonion sont entrés, droit d'entrée, Isali, 2,50 livres. Donc, Boyana, ambiance, Mbandaka. Na Mbandaka, Toko Nana, na Mbandaka, Toko Kota, na Mbandaka, na Mbandaka, Toko Tumba, Mbisi, ya frais. Voilà, communiquer la vidéo très rapidement, tout ça, Kinango, na niveau, ya Mbandaka. Balobi P, Papa Alobe, comedy show, playback and dance show. Papa Alobe, Papa Kimbanseke. Oh, il y a des gens qui ont dit que c'est que Zongi. Donc, il y a des blues. Papa Alobi, Azali, legend comédien. Bangona, Smokey, Gordon Masiala. Bangonion, c'est que c'est que le 26 juillet, dans Manchester, de 18h à 3h du matin. Et l'adresse, c'est le 62 Cambridge Street, Great Manchester, M7-1YQ. Le 2 août, Bazali, à Birmingham. Dès 18h à 3h du matin. L'adresse, c'est les 47 Lower Tower Street, Newton, B19, 3NH. Le droit d'entrée, c'est 10 livres. Donc, comedy show avec Kimbanseke, le Kizengi, Papa Alobe, Ye, Alobi, Boyebi, Papa Kimbanseke, Bamissus, Bayoka, Kaye, la radio, hein, Boye, Pemé, Litoi, Litoi, Boutier, Pemé, la radio, pour Bolanda, Papa Alobe, Alobi, Malor, c'est Sabino, Asilate, Azali Kaka. Voilà communiqué la biso mbango mbango avant toi ma prophète la biso Aaron. Mais lelo na yebike mama lisi koko lisi et sa bongisi et la mala ya noir et blanc, hein, bala nyonso ya Londres bo bongisi bi la mala bino ya noir et blanc, soirée black and white avec la diva divine production lelo tozangate à partir ya 20h na Clapton kuna na numéro 83 Upper Clapton Road na donc musique te na pompe essence ya Schley et ya Shell. Voilà. Tous à la couna bisonioso, bateau balinga golata batene kitoko, bateau timo baye, tous en gâté, banolo masolo pièce contre pièce, tous en gâté, binonioso, bateau à salon Carlos, bateau à salon Interstar, bateau à salon Bercy, bisonioso, tous à la couna, n'a besoin de la communiquer au, n'a le mouvement, pour le lot, n'a le bino, il y aura d'électricité en l'air. Makala marotique à la poutoulou maromata, toto salanénin, poutouletique à la makala moutemata,
Togolais bango lelo ngai na ozala kuna na na master of ceremony et avant tous yamba prophète Aaron notre hôte n'oubliez surtout pas Top Africa Magazine en version papier tokomi ko clôturé ba travaux olingi osomba page olingi osala communiquer lukanga na lombango vraiment pour tokomi ko sala misala et komi ko kenena na suka pour Top Africa Magazine en version papier Ebima Ndenge et Sengeli, batitre minene minene zali awa. Faut-il réinventer la RDC, la RD Congo, l'Angola, les nouvelles Eldorado africains. Donc le magazine sera disponible sur le nouveau page, au nouveau somba page. N'hésitez pas à contacter Bissom et collègues sa message et à formuler son message social, politique et j'en passe. Sur ce, j'ai dit quoi? Sur ce, j'ai dit bonjour au prophète Aaron Kimbati, le palmier. Bonjour, papa. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup, papa Johnson. Quelles sont les nouvelles, papa? Ah, bon, Nzambe yazolo kumu pona wandeko wazola ndabiso. Nouvelle, toye na yango juste, nous sommes en train de présenter le livre que le Seigneur nous a fait grâce d'écrire. Donc, il y a un mot qui est présenté aussi dans l'espace où il y a un mot qui est vraiment que tu es belé balanda. C'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur. Toya, en fait, tu vas repasser un message. Oh là là, tu as qui dans le programme Toya, le prophète Aaron, pendant une heure, indépendamment de notre volonté. Tu as un mot dans la temps, ok, mais tu as maximisé. Tant Oyo, pour l'essentiel Oyo Baneko, Bananzambe, Bazar Landabiso, sur ces livres. Les prophéties sont des mots qui donnent des ordres à l'avenir. Et moi, je crois que nous ne pouvons quand même pas recevoir celui qui a écrit les livres si les gens ne le connaissent pas. Qui la biographie. Réellement sa biographie, parce que il est écrit, sa biographie est écrite derrière son livre. Donc, on a écrit ceci, Aaron Kimbati, le palmier, est marié à la servante des dieux Tété Samba Kimbati, qui lui a donné 3 enfants, dont Abigail Kimbati, Oreb Kimbati et Liel Kimbati, pasteur de la communauté Arche de l'Alliance en Angleterre. Il est diplômé en pédagogie, diplômé en théologie, bachelier et master en théologie et master honoris à Triune Bible University. Spécialiste en prophétique et ministère eschatologique à Rama Bible College. Étudiant en business management et law à GSSC Campus de Plymouth University. Fondateur et professeur de Tyrannus Bible College à Londres. Il est aussi conférencier et mentor de beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu. Voilà sa biographie. Et une biographie éloquente. Bien costaud. Une biographie éloquente. Donc nous avons affaire à un monsieur qui s'y connaît. Qui n'est pas seulement prophète, il est pasteur. En même temps, il joue le rôle d'un écrivain. Il est un enseignant en même temps, si on peut comprendre, parce que là, il est en train d'enseigner des choses qui sont lui, qu'il est prophète aussi. Merci. Soyez le bien. Maman Grâce, permets-moi de t'interrompre un peu, parce que si nous continuons toujours avec la langue de Molière, ouais. Le message ne va pas... très bien passé. Pasteur, prophète Aaron, d'emblée, je vais poser une question. Différence entre prophète, archibishop, bishop et pasteur évangélique, évangéliste et tout ça. Différence est Zali Wapi. Nengenin Baweebake, Oyo, prophète, Oyo, pasteur, Oyo, archibishop. Merci beaucoup. En tout cas, Nakanisi, question à te répondre en haut justement, pas en lisant le livre, parce que t'as un abisso déjà d'y consommer. Alors, je vais répondre que prophète Azali, un porte-parole, donc il est appelé Nebi, ce qui signifie porte-parole, la bouche de Dieu, ou Azomema. Malobanazambe et pas y a peuple. Alors, quand il s'agit de bishop, en fait, bishop, ils allient mon moko anglais, c'est un mot anglais, bishop et l'inkoloba, ancien ou bien évêque.
bien sûr quand il y a ba kwami balé au réseau sala ke ba kaboli ba ancien comme elda et puis ba évêque comme ba bishop mais d'emblée ils allaient le moko bazana rôle moko garder le troupeau du Seigneur à l'absence des apôtres donc ba apôtre ba ndeko ko déplacer ko bâtir l'église pendant que tika yango et pas ya ba sien donc ba évêque. Alors maintenant peut-être c'est le mot anglais qui nous emballe Isaac Toko Mingi archibishop archibishop donc disons un bishop ça sonne as, bien alors un bishop as surveillant le surveillant de l'église. Okay. Alors étant que surveillant de l'église l'élo et comme moi l'élo mot spécial c'est comme si il est au-dessus du pasteur, il n'est pas au-dessus du pasteur. Ah bon? Ouais. En fait c'est un ministère local. Parce que le pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, des allées ministères, moko universel. Mais bishop, donc ancien, évêque, bangwanane. Alors, ils ont ministère moko local. Donc, quelque part, avec la connaissance de la Bible, un ancien, par exemple, de mon église, il n'est pas ancien dans une église autre. Parce que c'est une fonction, en fait. Ouais. Un diacre de mon église, quelque part, il un n'est membre pas simple, pas oui. Il n'est pas diacre. S'il quitte un membre simple. Mais un pasteur de mon église, partout il partira, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Ah c'est, oui. C'est ça. Donc, nos téléspectateurs qui nous ont suivis, qui nous suivent à partir de leur poste télévision, Bazui, moi, le Ramotouya, Maman Grâce. Bien. Ngaza, vraiment concerné, na, vraiment l'emballage qui toque, il y a un livre Oyo. Le prophétique et le prophétisme, ce qui est prophète à cause et l'abisso, différence qui existe entre ces deux mots, le prophétique et le prophétisme. La différence qui existe entre le prophétique et le prophétisme, quand nous voulons parler du prophétique, donc c'est l'emballage des dons prophétiques plutôt. Oyo, tout enfant de Dieu né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit est capable d'exercer. Mais cela ne fait pas de lui un prophète du ministère. Donc on peut parler du don du Saint-Esprit. Du don du Saint-Esprit. En fait, le prophétique, ça se manifeste lorsque quelqu'un est né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit d'office. Donc il y a les pistes prophétiques qui vont entraîner. C'est pour cela que quelque part, vous verrez que l'apôtre Paul est en train de dire que vous tous, vous êtes une communauté prophétique. Donc ça, dans un premier plan, on est tous sur le prophétique par le Saint-Esprit qui nous a baptisés et qui nous a donné maintenant la potentialité de pouvoir exercer le don prophétique. Mais quand il s'agit du prophétisme, le prophétisme, c'est le propre ministère prophétique maintenant. Ça, c'est le ministère de la parole. Donc, Motoroza prophète, quand on lui donne le livre net Apocalypse, Daniel, Ézéchiel, il sera capable. Mais il ne fera pas l'église à reconstruire l'église, à remettre l'église, parce qu'il a un don prophétique, mais a un ministère de la parole. C'est lui qui a le ministère de la parole, en lui il y a la puissance, disons, c'est lui de bâtir une église. De bâtir une église. Mais néanmoins, on ne bâtit pas l'église parce que je prêche la parole de Dieu. Non, je prêche la parole de Dieu pendant qu'il dit fait église, qu'on bâtir l'église, c'est la connaissance. Ah là, c'est une autre chose. Et puis, il faut reçoit direction et en zambé. Mais le don la prophétique, donc on a tous les croyants, toujours exercer le don, il y a Saint-Esprit, par exemple, parlant langue, par exemple, prophétie, par exemple, parole de connaissance, par exemple, parole de sagesse, et ça, le don, et ça, c'est quand la personne est baptisée. Alors, ces dons-là sont appelés les dons prophétiques. Nébité, papa, si vous une minute, dans la question, vous avez dérangé par l'ensemble. Vas-y, maman, vas-y. Il y a un ministère prophétique, Lélo, dans Mokili. C'est un ministère où est bougé, Mokili, où est dérangé, peuple de Dieu, Lélo. Un ministère où le côté est continuing et fandiming. Moi, je sais que. On retrouve les faux, les vrais. Oui, ma prophète, Lélo, il a profité mingi par rapport à ma support, où est-ce qu'on accompagne le ministère prophétique. Ma support, il y a un peu de la mafouta, il y a un peu de la
mungwa tobenga lokolo mai eloko ezo sala que lelo tozomona que ba support wana ezai utilisé na ndenga révélation te mais comme utilisé doctrinalement ce qui tokoy ko benga ngondenga wana et comme lokola une doctrine partout comme on a muto melisane ba ba mafuta partout on a muto a osala lelo ko alors Dieu en tant que prophète ozali na fonction ko zongisa ba tokola ça ba tout nzela parce que c'est ça une de fonction il y a prophète. Qu'est-ce que tu dis na bato ya lolenga là parce que les autres na mokili pe libota oyo eli koyo kayo pona tina elkambo. Amen. Bon tokoki ko abolir usage prophétique parce que même sur tangi na livre awa ezali na bible ezali toujours inspiration na bible usage wana ezali ba prophète ba utiliser ki mafuta bazali mungwa bazali ceinture bazali même au temps de l'apôtre Paul il y avait un prophète Agabus qui a pris la ceinture de Paul et dit à qui appartient cette ceinture. On lui dit de Paul, de la façon dont je lis la ceinture, donc la personne aussi sera lui à Jérusalem. Donc un prophète, quelque part, il marche avec des signes. Jamaro peut inspirer à ça la signe, il faut ça la yango. Mais le problème, c'est quoi? Que ces signes-là ne feront pas une doctrine. De ce que comme une doctrine, que, par exemple, quand on se fait un mai, faut que ça soit un mais là non. On le fait par une révélation selon le problème Oyo et c'est présenté dans mon mawana. Si Dieu te dit de prendre l'huile, de prier pour la moutouna huile, fais-le, c'est biblique. Parce que même Jésus, il avait oué les gens qui étaient malades. Oué bango pour guérir bango. Mais à cela qui a monté que chaque fois, chaque jour, non. Baneko. Guérir tout différemment, je suis Simbe Nelamba, je suis Sachi Bango, oui, il a prié pour nous, je suis Kaparo la Pamba. Donc voilà, donc, on ne peut pas faire d'un usage une doctrine. Donc là, ça devient tout à fait. Oh, prophète Aaron, merci, merci pour la réponse. Différence, Nézali, entre une vision et une prophétie. Bon, dans la prophétie, nous avons ce que nous appelons la prophétie visionnante. Parce que nous avons la prophétie d'oracle, un message que tu n'as pas préparé, mais Dieu te l'accorde directement à Nicoloba. Mais il y a deux types d'oracles, direct et indirect. Bon, et puis, Tozali, na prophétie historique, donc histoire Mokoboé et les cas dans le passé, et le Nouveau Testament a joué à moi combien. Par exemple, quand vous lisez. Ésaïe chapitre 7 sur la naissance de Christ, Emmanuel, blablabla. C'était une histoire déjà qui était passée et Nouveau Testament a joué en haut. Donc, tu as appelé la prophétie, nous avons une prophétie parabolique. Ésaïe chapitre 5, Dieu donne une parabole et derrière ça, il y a un message prophétique. Il y a aussi des prophéties visionnantes. Par exemple, Daniel, lui ne recevait pas les oracles de Dieu. C'est pour cela dans le Tanakh c'est la Bible hébraïque. Et ils disent que Daniel n'est pas un prophète à la première classe, mais c'est un prophète de deuxième classe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu les oracles directement venant de Dieu, mais il y a avant à son message en disant une fois ça n'est halal. Donc il recevait par la vision. Donc il y a des prophéties visionnantes. Et dans la vision, on a la vision nocturne et on a aussi la vision qu'on appelle la vision spirituelle. Qui ne demande pas mon toit là là tant mon toit bon de là à zo mon embarmo ma cam et mon abattu sur habitant avant de bon de la monaki mais quand au monaki donc tant à zo bon de il a battu et ma vision soit bien le vision ouverte des autres fans du boyer qui nous en bas au fond l'omissou tu vois là bas un ange à telle place on a n'a et pied naïe mais bisous va tous avoir ton moni en monté les arbres vision sur la vision nocturne mais vision nous il y a un message. Alors, si le message est un message, il y a futur, c'est que c'est un message, c'est une vision, une prophétie visionnante. Je m'en vais directement poser la question suivante. Prophète, comment détecter un faux prophète? Bon, il y a plusieurs façons de détecter un faux prophète, mais premièrement, je voudrais dire au peuple de Dieu qu'on ne connaît pas un vrai prophète lorsque ses prophéties s'accomplissent. Non, ça c'est une erreur.
Ça, c'est une erreur. Parce on ne connaît pas. On ne connaît pas un vrai prophète. Parce que ces prophètes s'accomplissent. Ça, c'est une erreur. Tu peux être trompé. Et surtout, Nathan Otozali. Parce que quand on regarde même dans la Bible, le prophète Balaam, il avait de belles prophéties. Il prophétisait, il avait de belles prophéties qui s'accomplissaient. Mais au fait, Azaki, un faux prophète. Le Isan a battu le lot, coûté à a pêché à détailler ma cambole, quand j'ai naïo, a épsopé ma cambole, a lobby. Toi, tu crois qu'Azan Moussana n'a pas. Azan a aïe Moussus. On connaît un vrai prophète par la connaissance et la parole de Dieu, par sa façon de marcher, et après, la crainte de Dieu, et après, on voit comment on a l'accomplissement après. Et sur lequel on a l'accomplissement, tu peux te tromper. Jésus a bien dit, on connaît l'arbre à ses fruits. Parce qu'un prophète, par exemple, qui exerce le ministère prophétique avec la puissance de l'autre côté, a rosala na difficulté au banga nzambe. Amen. Ça c'est vrai. Au banga nzambe. Ça c'est vrai. Au tambo na basi, na escroquerie, na masanga, na diamba. Mais un prophète de Dieu qui parle de la part de Dieu, premièrement au monde aïe na crainte na nzambe, na façon de vivre et puis na connaissance aïe loba na nzambe et quatrièmement, mais cinquièmement, ba accomplissement ba prophète, ba prophétie na. Merci prophète, merci pour la réponse. Et livre à l'abisso, ils allaient déjà en vente. Donc, les prophétiques et les prophétismes dans l'église du temps de la fin. Bateau, Barosombango, Wapi. Les gens peuvent nous contacter. Nous avons une grande institution, Turanis Bible College. Bako contacter Olive TV. Contacter aussi le chemin des artistes, bah quoi, contacter aussi First Class Magazine, Pyramide, et puis bah quoi, qu'est même dans Loulou, www.loulou.com, Aaron Kimbati, le livre est là, bah quoi, qu'est même Amazon, sur ma Betty, bah côté Aaron Kimbati, le livre est là. Donc le livre est bien dispatché. Et bien dispatché. Et voilà, prophète. Les temps impartis, ils ont Nasuka, tous vraiment contre temps les lots, malheureusement. Mais quel est le programme? Quel est le programme du prophète? Les prophètes, il enseigne où? Il va faire quoi dans les jours qui vont venir? Quel est son programme? Merci beaucoup. Programme Nazana Yango, jeudi Ezoya, je voyage pour Angola. C'est pour un mois, j'ai un grand travail. D'ailleurs, Tozaki Avoto Benganga. Et je puisse écrire le cours que je donnerai là-bas. Et puis, donc, Turanis Ezo qui est en Angola, ce qui n'est pas signé. Ah bon? Wow. Donc, congratulations alors. Université Tunis Bible est libérée, biso ba certificat, dans ma cour de l'Europe. Donc, je serai là pour un mois. Et puis, dans la province, donc, ma conférence, il y a ma serviteur de Dieu. Et puis, dans la communauté, na biso. Donc, Peniel, Seb Visa, je suis le pasteur Luciano. Qui est mon jeune frère, et aussi Maman B, Pasteur Claude, Pasteur Citra, Pasteur Blaise. Donc il y a beaucoup de pasteurs qui vont me recevoir, sans oublier l'apôtre Tsolani, le prophète Miezi, le docteur Gaston Mawete. Donc, ben Angola, voilà. Vous êtes béni, vous êtes béni, vous allez recevoir à partir de ce jeudi, de vendredi déjà, le prophète Aaron qui sera dans vos murs. Donc, Boyambaye na maboko ko fongoma bokabola lilobanaye boyo ka enseignement boya nango banangula hein botarde bana ya kasenda bana ya palanka hein vraiment to royal ici subisope Angola wana to sepela ki na monde to sala ikuna er la biso e ko bina suka lelo to putale na moi contre temps mouke bo excusez biso vraiment to rozong la bino la semaine prochaine avec notre programme, toujours à la même heure, 12h à 13h sur Olive TV. N'échangez pas les chaînes, je suis là, Maman Grâce est là, la sagesse est là, la matière grise est toujours là, n'a pas bougé. Hein. Nous serons là le samedi prochain. Nous disons ceci, merci prophète Aaron d'avoir répondu à notre invitation. Et d'ailleurs, on a zozo ba texte ou t'es pas, Théo Moulakisi, Abalabi qui est prophète, courage dans mon salon, Zaligo Sala, dans mon texte, nous sommes. Ils allaient couper la biseau là-bas.
ba fantomas balobi ke prophète balingaka yo mingi donc merci musala malamu musala malamu nzamba batela yo na nzela mula yo za okende ezali to za na bosa ngola ba singa biso ba livre bo bangate to za na ba livre bo trouver pasteur Luciano Bunga donc yende mutaza la disponible pour nous distribuer bino ba livre. Donc comment que nasuka ya émission na biso bobo sanaté lelo comme je l'ai dit la soirée Black and White avec la diva divine. Donc ba maman étoile bisonyoso. Ba maman étoile bisonyoso toza la kuna. Ba ta salon Carlos bisonyoso toza la kuna na soirée ya lelo Black and White. Bomoni suki ya Johnson kete comme lelo Black. Pour esa soirée Black and White les corbeaux et les renards et les renards maman. Donc comme ça la souka émission Bobo Salanté magazine na biso top Africa magazine hein donc bon luka biso mbangu mbangu po bozo page poko koma kuneza ya kitoko ya kosakanate to comme la souka maman grâce avant que je mette un point final un dernier mot à nos fidèles téléspectateurs en tout cas la zo bénir les botanians fort bazwa qui vraiment libakwa kota la biso malgré un retard nous avons reçu un grand homme de Dieu répondant au nom du pasteur de prophète Aaron vraiment nous tous qui n'a pas ça tout nemi tout ne belé ayeti mais malheureusement que le temps vraiment nous a trahis en tout cas à la prochaine nous vous aimons beaucoup au nom de Jésus en tout cas sœur Nangai dodo yo na watamsokuna Namoni message otindi olobi bikis biso peto pesio bikis bikis botika la malamu botika na kimia tokutani ngai na bino tokutani na soirée Black and White kuna bogomona Master of Ceremony Professional Master of Ceremony Johnson Keto qui sera là votre humble serviteur Gwagba au-dessus de la mêlée. Soyez bénis, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne et à la même heure 12h à 13h avec le duo qui cartonne, les duos qui cartonnent, hein? Mama Grace, l'opéra de la presse, et Johnson Keto, Baba au-dessus de la mêlée, Baba les garants. Bye bye, prophète Aaron, bon voyage. Merci. Merci papa. Merci. On se retrouve dès que... du rythme, Delix Décor Design vous propose toute une diversité de services pour le bien-être de votre environnement. Bandeko, Keba. Delux Décor a proposé yo cuisine ya kitoko, a fixé yo cuisine ya luxe, cuisine na yo faisait la présentable, salle de bain ya kitoko, okoki ko lia même na kata salle de bain, neko, ko yamba papa ete salle de bain zali salité, ta la Delux Décor, a conseillé la yo salon ya luxe, environnement na yo ko koma très présentable, ba escalier na yo, a ko fixé moquette na ba escalier na yo, et sa kaka na moto moko, wa zali ko sala floor, ma belé na yo, ma baya a kote la yoto moquette ya kitoko, et sa kaka Delux Décor, papier peint à griffe, à quoi il a eu ma griffe, à qui toko n'a pas papier peint à ma mur, à quoi fixer télévision à mur, y'a qui toko, serrure n'a eu ma porte, et qu'on a la présentable, au convivre vie à luxe n'a poto, neko, kobu kanate, yaka, et ça kaka n'a moutou, mokwazo salamou n'a poto, Delux Décor, batou moussou sou basalité, kaka moutou moko, Delux Décor, à quoi fixer le yo, et loko y'a bien bon environnement n'a yo, keba et keyi! Delux Décor Design, avec un accord, un décor, de la lumière et du rythme. Delux Décor Design vous propose toute une diversité de services pour le bien-être de votre environnement. Bandeko, Keba, Delux Décor a proposé yo cuisine ya kitoko. A ko fixé yo cuisine ya luxe. Cuisine na yo faisait la présentable. Salle de bain ya kitoko. Okoki ko lia même na kata salle de bain. Neko, ko yamba papa ete salle de bain zali salité. Ta la Delux Décor a ko sa yo salon ya luxe. Environnement na yo ko koma très présentable. Ba escalier na yo, a ko fixé moquette na ba escalier na yo. Et sa kaka na moto moko, wa zali ko sala floor. Ma belé na yo, ma baya a ko la yo to moquette ya kitoko. Et sa kaka Delux Décor. Papier peint à griffe, a ko yela yo ba griffe ya kitoko na ba papier peint na ba mur. A ko fixé télévision na mur, ya kitoko. Serrure na yo ya ba porte, et ko zala présentable. O ko vivre vie ya luxe na poto. Neko, kobu kanate, yaka, ezaka kana mutu, moko azo sala mona poto. Delux Décor, batu mosusu bazalite, kaka mutu moko, Delux Décor, ako fixe le yo, eloko ya bien bon environnement na yo, keba e keyi.
Olive TV, anointed to impact the world.